Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur ces pinces à doigts, dites aussi pinces Sokoff. Ce sont des pinces qui vont vous permettre de retirer tout ce qui est vernis semi-permanent. Moi j'utilise aussi pour enlever le vernis pailleté, vous savez ce vernis qui est assez coriace à enlever et que des fois le dissolvant ne suffit pas. Donc voilà, c'est assez rigolo, on se moque pas. Donc si cette vidéo vous intéresse, ne quittez pas. Donc je vais vous montrer vraiment en détail comment on les utilise. C'est vraiment très simple. Donc en matériel, vous aurez besoin de coton ou de carré de cellulose, je préfère. D'acétone, le pince à doigts et un pouce cuticule. Donc, on va commencer par prendre votre coton, on imbibe d'acétone, on le positionne sur son ongle et avec la pince, on va venir clipper le coton sur l'ongle. Et comme ça, ça ne bouge pas et on est sûr que le produit agit bien. Comparé aux papillotes, qui est une autre technique pour enlever le vernis semi-permanent. Quand on l'enrobe, on n'a pas l'impression que le coton est bien serré. Enfin, moi, je trouve. Donc, maintenant, je vous montre en mode réel. Donc, vous voyez, j'ai mon vernis semi-permanent enlevé et je positionne toutes mes petites pinces. Alors, certes, c'est pas évident quand on arrive au dernier doigt. Donc moi je préfère vraiment cette méthode là aux papillotes. Le produit agit bien plus vite. Donc moi je le laisse agir on va dire au moins 20 minutes. Suivant combien vous avez mis de couches aussi, ça peut dépendre. Mais bon, si on voit que c'est pas bien retiré, on peut toujours recommencer. Donc voilà, donc là c'est terminé, le temps est écoulé, donc je vais retirer d'abord mes pinces de mes 5 premiers doigts. Comme ça, ça permet à l'autre main de continuer à agir. Donc on peut voir un petit peu que le vernis est craquelé. Et là, avec mon pouce cuticule, eh bien on va tout simplement gratter pour enlever la couche de vernis. Vous voyez, ça se décolle assez facilement. Par contre, si vous en avez encore qui se décolle difficilement, ne forcez surtout pas, vous allez abîmer votre ongle. Donc on enlève le plus facile et s'il y a besoin, on remettra du produit avec la pince. Donc j'accélère un peu parce que c'est pas très intéressant. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire sous la barre d'infos, je répondrai avec plaisir. Donc voilà, donc on peut voir qu'il reste encore un petit peu de vernis. Donc je vais remettre un petit peu de produit et on se retrouve de suite. Je retire une deuxième fois mes pinces car j'avais remis du produit pour certains angles tenaces. Et je recommence. Donc j'ai accéléré un petit peu la vidéo. Et ensuite j'ai pris un bloc polissoir pour peaufiner bien mes ongles qui soient vraiment nickel. Et voilà tout ce que j'ai retiré. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à venir voir mon blog, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous.